Charles III pris d'un fou rire, ce cliché déjà culte qui fait plaisir à voir. Le roi Charles III, qui lutte contre un cancer, était présent au Royal Windsor Horse Show, dans le Berkshire, vendredi 3 mai. Le père des princes William et Harry a été pris d'un fou rire, lors de cet événement, qui a donné lieu à un cliché déjà culte. C'est une photo qui devrait mettre du baume au cœur de tous les adorateurs de la couronne britannique, préoccupés par l'état de santé du roi Charles III, qui lutte contre un cancer. Vendredi 3 mai, le souverain a retrouvé sa nièce la cavalière émérite Zara Tyndall au Royal Windsor Horse Show, un événement clé pour les amateurs d'équitation et un moment de rassemblement pour la firme, qui a lieu cette année du 2 au 5 mai. En dépit de son diagnostic médical, le monarque a prouvé qu'il avait une grande résilience, en affichant une complicité joyeuse avec la fille de la princesse Anne. Alors qu'il prenait part à ce concours hippique dans le Berkshire, auquel assistait souvent sa défunte mère, Elisabeth II, le père des princes William et Harry a été immortalisé par des photographes en train d'avoir un fou rire. Sur ce fameux cliché que vous pourrez découvrir ci-dessous, on peut voir l'époux de la reine Camilla assis dans les tribunes et tourné de trois quarts vers la droite. D'un geste, le monarque plein d'entrain désigne ce qui doit être la source de son amusement. Un large sourire illumine son visage. Cette photo, relayée à moult reprises sur les réseaux sociaux, a également été partagée par bon nombre de médias britanniques, dont le Daily Mail. Bien que la raison pour laquelle le beau-père de Kate Middleton a été pris d'un fou rire n'ait pas été dévoilée, ses admirateurs y voient certainement le signe que sa convalescence se passe bien. Le souverain a également été aperçu en train de discuter chaleureusement avec les responsables du Royal Windsor Horse Show, organisé dans le parc du château de Windsor. Charles III et Kate Middleton se soutiennent face à l'adversité. Charles III n'est pas le seul membre de la famille royale à se battre contre un cancer. Il en est de même pour Kate Middleton, qui a entamé un processus de chimiothérapie. Très inquiet pour la princesse de Galles, qu'il considère comme sa fille, le roi veille sur elle de son mieux. Début avril, lors d'un entretien accordé au magazine Hello, le journaliste Robert Hardman, spécialiste de la monarchie britannique, estimait que cette épreuve en commun les avait très certainement rapprochés. Je suis certain qu'il a été une source de réconfort pour elle, de la même manière qu'elle l'a probablement été pour lui. Crochet ouvrant ... crochet fermant. Il a toujours eu une grande estime pour Kate Middleton. À ses yeux, elle est tout simplement merveilleuse.